J'appelle Gazelle, le roi des bêtes mythiques. Pour tout fan de Yu-Gi-Oh! Qui se respecte, en particulier les fans de Yu-Gi, Gazelle, roi des bêtes mythiques, est une carte emblématique. Et sachant qu'elle va prochainement recevoir du support, pourquoi ne pas en parler? Bonjour à tous, c'est Evals, aujourd'hui nous allons parler de Gazelle, le roi des bêtes mythiques. Gazelle, donc... Non, pas celle-là. Je dis donc, Gazelle est un monstre normal de type bête, de niveau 4, avec 1500 d'attaque et 1200 de défense. Sa description dit « Ce monstre se déplace si vite qu'il semblait n'être qu'une illusion aux yeux des mortels. » Ça en dit long. Elle a subi une petite modification avec une précision en bas de carte qui dit « Cette carte est toujours traitée comme une carte bête fantôme, mais nous en parlerons dans un instant. » Gazelle est apparue pour la première fois dans l'anime Yu-Gi-Oh! Lors de la saison 2, lorsque Yugi affronte Seeker, ou Jack Hunter pour les intimes, puis elle reviendra régulièrement aider notre cher Yugi, mais on peut aussi voir Gazelle dans Yu-Gi-Oh! GX lorsque Jaden affronte Dimitri qui a volé le deck de Yugi, puis on l'aperçoit très brièvement dans un épisode de Arc 5, c'est bien lui là. Mais Gazelle n'est jamais seul, en effet, Baphomet sera toujours à ses côtés même s'il est niveau 5 et nécessite donc un sacrifice pour être invoqué. Lorsqu'il est sur le terrain, on peut aller chercher Gazelle et l'ajouter à notre main. Il nous suffit donc de fusionner Gazelle et Baphomet pour obtenir Chimère, bête mythique volante, qui, si elle est détruite, permet d'invoquer Baphomet ou Gazelle depuis le cimetière. Maintenant que Gazelle est un monstre bête fantôme, il rejoint tout plein de petits copains comme Aile Croisée, Pégastonnerre ou Corne Sauvage pour ne citer que. Gazelle a aussi eu droit à sa carte Rush Duel et ça, c'est plutôt cool. Mais prochainement dans Nexus des Duelistes et Edge of Overlord, Gazelle va recevoir pas mal de supports, notamment sa version dite améliorée, entre guillemets bien sûr, avec Gazelle roi des griffes mythiques qui permet d'aller chercher un monstre démon ou une fusion et oh bah Baphomet, grande zèle, qui est de type démon. C'est bien fait ça quand même. Puis on a aussi une nouvelle polymérisation pour les faire fusionner avec Fusion Chimère qui peut se récupérer si Chimère, bête volante est sur le terrain ou se bannir pour invoquer Gazelle ou Baphomet. Du coup on a le droit à deux nouvelles fusions avec Chimère roi bête fantôme et Chimère bête magique illusion qui ont le nom Chimère. Bêtes mythiques volantes tant qu'elles sont sur le terrain et dont il va falloir se méfier, croyez-moi. L'une peut attaquer autant de fois qu'il y a de monstres fusion sur le terrain et l'autre peut défausser une carte à l'adversaire, pour ne citer que ça. Dans Edge of Overlord, on aura aussi Baphomet, gouverneur des ténèbres, bête fantôme, aussi un nouveau monstre fusion qui aura la capacité, durant le tour de l'adversaire, en effet rapide, de pouvoir être banni depuis le cimetière et de cibler un monstre bête, démon ou illusion qui est banni et de l'invoquer spécialement. Mention spéciale à Coator des champs de maïs et épéiste Miroir Is, qui vont apporter un petit plus au deck. Coator des champs de maïs qui va permettre d'aller chercher Gazelle roi des griffes ou Baphomet grande zèle et qui peut negate si on le bannit depuis le cimetière et épéiste miroir qu'on peut sacrifier pour invoquer un des deux monstres depuis le deck et peut aussi negate en se bannissant. Si vous avez des idées de combos n'hésitez pas car moi je suis très intéressé. Et pour finir, Gazelle apparaît aussi sur double invocation mais ça c'était juste pour toucher son chèque. C'est donc fini pour Gazelle, le roi des bêtes mythiques. On se retrouve prochainement pour un autre monstre. Pensez à vous abonner en proposant d'autres dans les commentaires. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Toute puissance de Baphomet qui a le pouvoir de faire intervenir Gazelle, le roi des bêtes mythiques. Et ce n'est pas tout. Je vais également avoir recours à la polymérisation pour qu'il fusionne. Et voici Chimère, la bête volante mythique.